Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est proposé par l'IMT Atlantique. Donc, je suis Nathalie Leneveu, donc l'animatrice de la cartographie des talents pédagogiques. Donc, je vous propose ce webinaire donc aujourd'hui avec Hélène qui est parmi vous. Donc je vois que certains d'entre vous sont en train de m'écrire, voilà, bienvenue à vous, merci d'avoir joué le jeu et de vous souhaiter bonjour aux uns et aux autres. Donc Hélène est notre intervenante pour aujourd'hui. Je vais lui donner maintenant la parole et je vais vous souhaiter un bon webinaire à tous. Donc je vous rappelle, cette expérience est une première, donc j'espère qu'elle va vous plaire et que nous allons pouvoir discuter tous ensemble de l'engagement cognitif des étudiants, autrement dit la motivation des étudiants, et j'espère que cette thématique va vous plaire. Et surtout, après la présentation d'Hélène, n'hésitez pas au cours de la présentation d'Hélène, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je prendrai les tours de parole. Et donc je vous inviterai donc soit vous pouvez poser votre question directement et dans ces cas-là me l'indiquer entre parenthèses que vous souhaitez poser directement votre question à Hélène, ou encore je pourrais la poser en votre nom. Donc voilà. Ben écoutez, je allô. Hélène, je te donne la parole. Merci. C'est chouette. Il y a des personnes qui disent qu'elles n'entendent pas. Ah, donc, d'accord. Je ne sais pas à quoi c'est. Il faut ouvrir le micro. Enfin, ouvrir. C'est un moment de parler, mais ça fait pas qu'on entend. Ok. Est-ce que vous avez essayé peut-être de vous déconnecter, vous reconnecter à nouveau? Je pense que c'est le mieux, en indiquant que vous utilisez quel type de son vous utilisez. Normalement, quand on se connecte à Zoom, il nous demande si on veut utiliser le son de notre ordinateur ou d'un autre support. Donc voilà, peut-être essayer de cette façon suivante. Ok, sinon je vais comme on est 40 minutes, ça passe assez vite, je vais y aller si tu veux bien. Oui. Ok, donc je suis psychologue et sociologue de formation et donc je viens partager avec vous le résultat de mes réflexions et de mon expérience suite à une mission dont j'ai été responsable pendant 6 ans à l'Université de Technologie de Troyes, qui est une école d'ingénieurs qui recrute les étudiants en post-bac. Et dans le cadre de laquelle j'ai été responsable de la mise en place et de l'animation d'un dispositif d'aide à la réussite à destination des étudiants de première année. Donc j'ai construit un accompagnement, mais j'ai aussi beaucoup échangé avec les étudiants et les enseignants sur les causes des difficultés rencontrées, sur l'écart qu'il pouvait y avoir entre les attentes des enseignants et ce que les étudiants offraient, proposaient comme réaction et comme engagement d'autre part, ce qui m'a amené à approfondir la question de la motivation et de l'engagement cognitif. Donc j'aimerais commencer cette présentation par une histoire. Je m'intéresse depuis quelque temps à un mouvement qui existe depuis quelques dizaines d'années maintenant, qui s'appelle le mouvement des écoles démocratiques. La première école démocratique a ouvert en 1968 aux États-Unis, avec comme projet pédagogique de laisser aux enfants qui étaient accueillis entre 2 et 18 ans dans cette première école, de laisser aux enfants la possibilité de faire ce qu'ils veulent et d'apprendre par l'expérience. Alors il y a quand même des structures d'organisation de l'institution qui sont sur un modèle démocratique de prise de décision, de partage du pouvoir, etc. Et dans ce cadre-là, ce sont les enfants qui doivent par eux-mêmes prendre l'initiative de leur apprentissage. Dans un livre d'un des fondateurs de l'école qui s'appelle Daniel Greenberg et qui s'appelle L'école de la liberté, il raconte qu'il y a un jour une douzaine d'enfants de 9 à 12 ans qui viennent le voir et qui lui disent: on aimerait apprendre l'arithmétique.
Donc, les accueillants de cette école étaient tous enseignants-chercheurs à la base. C'est eux qui avaient monté ce projet d'école. Et donc, il les regarde et lui dit « Non, c'est pas possible, vous pouvez pas être intéressé pour apprendre l'arithmétique. » Il savait que ça allait lui demander du travail de faire une proposition d'enseignement, du coup. Et donc, il essaye dans un premier temps, il raconte de démotiver les élèves qui tiennent bon et qui lui disent « Non, on est vraiment motivé, on veut apprendre les différentes opérations, l'arithmétique, on veut apprendre. » Donc, il dit « Bon, écoutez, je vous donne rendez-vous à telle heure et puis on pose le cadre. » Il pose le cadre, il dit « Très bien, il choisit un manuel et il dit « Chaque mardi, on va se retrouver pour une demi-heure, je répondrai à vos questions, je vous donnerai des exercices à faire et que vous aurez à faire pour la semaine suivante. Mais je vous préviens, s'il y a le moindre retard et s'il y a si vous jouez pas le jeu, on arrête. » Et pendant 20 semaines d'affilée, ces 12 élèves de 9 à 12 ans tiennent bon, sont à l'heure, font les exercices, s'entraident et acquièrent les savoir-faire de tout le manuel, de ce qui prend habituellement 6 ans dans l'école ordinaire. Et bien là, en 20 semaines, le programme était bouclé. Donc, étonné plus ou moins, mais en tout cas, il va poser la question à un de ses... un spécialiste de l'apprentissage des mathématiques. Il lui dit habituellement ce programme il tient sur 6 ans, là en 20 semaines mes 12 élèves motivés ont été capables de le couvrir intégralement en ayant tous acquis les compétences. Je ne suis pas étonnée parce que le sujet en lui-même n'est pas si difficile que ça. Ce qui est compliqué, c'est de forcer des élèves qui n'ont aucune envie d'apprendre à le faire. Et quand il n'y a pas d'envie, ça demande de la répétition encore et encore et encore. Et il dit même comme ça, on n'y arrive pas. Et donc, j'ai trouvé cette expérience vraiment éclairante pour mettre en lien cette question de l'engagement et de la motivation avec l'apprentissage. Et donc, le travail que j'ai fait avec les étudiants m'a amené à établir une cartographie des différents leviers d'engagement cognitif des étudiants. Qu'est-ce qui permet de stimuler l'envie d'apprendre ? Alors, je sais que dans nos institutions scolaires et universitaires et d'écoles classiques, on est dans un contexte, dans un cadre contraint. Et du coup, c'est comme si vous avez en face de vous un public qui est captif, qui, même s'il a choisi, parce que notamment dans les écoles d'ingénieurs qui recrutent suite à des concours à Bac plus 2, après une prépa, vous avez en face de vous des élèves qui ont choisi, on dirait, néanmoins, d'être là. Mais malgré ça, la question de la contrainte se pose en fait dans tous les contextes d'apprentissage, qui ont un cadre où les enseignants sont en face de leurs étudiants posée et organisée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un contexte complètement libre comme dans l'école dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour ça, je vais partager à l'écran le document que j'ai conçu, qui est... La cartographie, enfin, c'est peut-être ma version de des différents leviers qui permettent de stimuler l'engagement des apprenants dans un dispositif d'apprentissage. Donc moi, vous voyez à l'écran, j'ai identifié 4 leviers. Je vous donnerai mes références théoriques tout à l'heure. J'en ai utilisé plusieurs, je vous présenterai les 2 principales et ensuite j'ai précisé, affiné, ajusté avec, à partir de mon expérience et à partir aussi d'autres références théoriques mais plus secondaires dans mon processus de cartographication, on va dire, de ces différents leviers. Le premier levier qui suscite l'engagement dans un dispositif d'apprentissage, c'est celui que j'ai fait figurer en orange, c'est valoriser. Pour que les apprenants s'engagent dans l'apprentissage, il faut qu'ils attribuent de la valeur aux activités et aux contenus qui leur sont proposés. Si, par exemple, on est dans un cadre qu'on va considérer comme étant un cadre d'apprentissage,
si vous êtes connecté à 13h, c'est-à-dire que vous avez organisé votre temps en fonction de ce rendez-vous pour ce webinaire, c'est que vous imaginiez que ce qui allait se passer, ce dont on allait parler, allait avoir de la valeur pour vous. Alors, j'ai fait apparaître 3 sous leviers. Ça va avoir de la valeur si ça vous est utile, si ce dont on parle, vous voyez une réutilisation possible dans un cadre qui vous est propre, soit parce que ça suscite votre intérêt, on va parler de sujets et on va répondre à des questions que vous vous posez et pour lesquelles vous avez envie de compléter vos réponses, soit la situation va être une source d'épanouissement pour vous. Alors là, comme on est dans un domaine dans un cadre qui est très cadré et descendant, puisque c'est moi qui parle, vous écoutez, il n'y a pas possibilité beaucoup d'organiser l'apprentissage de manière active, en tout cas c'est pas le projet là, le levier épanouissement est peut-être moins pris en compte. Le deuxième levier qui permet de s'engager dans l'apprentissage, c'est le levier prendre soin. Est-ce que les besoins physiologiques et affectifs des participants sont pris en compte dans la situation d'apprentissage? Donc là j'ai fait apparaître les besoins physiologiques. Les besoins liés j'ai appelé ça apaisement, c'est-à-dire est-ce que les sources de stress sont limitées pour qu'il y ait un cadre d'apprentissage qui soit apaisé et apaisant pour toutes les parties, et est-ce que l'apprentissage est suffisamment ordonné, est-ce que l'environnement d'apprentissage est suffisamment sécurisant pour permettre aux apprenants de se repérer. Là, si on reprend l'exemple de cette conférence en ligne, par exemple les besoins physiologiques, si vous n'avez pas eu le temps de déjeuner et que vous enchaînez, ça peut compromettre votre implication. Concernant les sources de stress, si vous n'arrivez pas à utiliser l'outil Zoom, si ce n'est pas instinctif, si vous n'entendez pas bien, si la connexion internet est mauvaise, tout ça ce sont des sources de stress qui ont un impact sur l'engagement. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà qui n'ont pas réussi à résoudre le problème concernant le son, qui se sont dit bon, très bien, j'abandonne, ça va pas, quoi. Et puis la question de l'ordre, est-ce que les choses étaient suffisamment annoncées au départ? Je me tourne pour surveiller l'heure. Est-ce que du coup au niveau de l'ordre, est-ce que l'horaire est suffisamment bien posé? Est-ce que on sait où on va? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que voilà, l'environnement d'apprentissage est suffisamment structuré pour être sécurisant? Ça c'est le levier prendre soin. Le troisième levier, c'est le levier responsabiliser. Est-ce que les apprenants ont la possibilité d'être acteurs, des acteurs responsables de leurs apprentissages? Ça c'est un levier important. Est-ce que les participants peuvent prendre des initiatives? Est-ce qu'ils peuvent construire une opinion qui leur soit propre et ils ne sont pas obligés de se conformer à quelque chose qui leur est imposé de manière externe? Est-ce qu'ils peuvent faire des choix et prendre des décisions? Tout ça, c'est le levier responsabilisé qui est un gros facteur d'engagement et ou de désengagement s'il n'est pas pris en compte. Et le quatrième levier, c'est le levier outillé, c'est-à-dire est-ce que dans le processus d'apprentissage, est-ce que les apprenants disposent des clés, des codes et des méthodes qui leur permettent de se projeter dans un apprentissage qui va avoir du sens pour eux? Alors, j'ai fait apparaître comme sous-levier la question de l'esprit critique. Est-ce qu'on encourage les apprenants à adopter une posture qu'on appelle métacognitive, c'est-à-dire à se questionner sur leur démarche et à développer leur esprit critique? Et est-ce qu'on leur transmet ce que j'ai appelé les compétences transversales nécessaires pour s'engager dans les activités qui sont proposées? Par exemple, si on demande aux étudiants de travailler en groupe, est-ce qu'on s'est assuré ou est-ce qu'on a pris le temps de leur donner les outils, de leur transmettre les outils qui vont leur permettre de travailler efficacement en groupe? Et j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent que ils permettent aux élèves de travailler en groupe et que ça pose beaucoup de problèmes et que ça peut susciter du désengagement. Par exemple, notamment dans les UV de projet où on demande aux étudiants de se regrouper sans leur expliquer comment prendre des décisions, comment gérer leurs conflits, comment distribuer les rôles et les tâches de manière équitable parmi tous. Voilà, tout ça, ce sont des outils qui sont posés comme étant des implicites de la situation d'apprentissage et qui, si les étudiants n'y sont pas, s'ils n'ont pas acquis
et qu'il ne maîtrise pas ces outils peut avoir un impact sur leur engagement. Voilà, je voulais vous faire une présentation globale. Comme là, ça fait à peu près un quart d'heure que je parle, je vous propose qu'on passe aux questions pour avoir le temps de personnaliser les apports en fonction de vos réactions. Super, merci Hélène. Il y a une question de Michel qui ne m'a pas répondu si vous souhaitez te poser la question en direct, donc je me permets de la poser à sa place. Donc il te demande pourquoi il n'y a pas de flèche entre le levier prendre soin et le bloc que tu as appelé ordre. Ah, c'est une très bonne question. Pourquoi j'ai pas mis de... Enfin, c'est une très bonne question. Oui, c'est une question qui m'amène à me reposer la question de la façon dont j'ai construit mon schéma. Parce qu'en fait, j'ai mis l'ordre comme un besoin qui avait un impact, comme une sous-catégorie de la question de l'apaisement. En fait, quand il n'y a pas d'ordre, quand les objectifs ne sont pas identifiés, le programme est vague, le cadre temporel n'est pas clair, tout ça a un impact sur le stress en fait, et c'est pour ça que j'ai mis une flèche entre l'ordre et l'apaisement, limiter les sources de stress. Comme c'est-à-dire que dans les sources de stress, il y a plusieurs éléments, dont l'ordre. Et j'ai mis que une flèche entre outiller et ordre, parce que outiller les étudiants, les apprenants, c'était aussi prendre en compte leur besoin d'ordre. C'était une manière de le prendre en compte. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. L'ordre, en fait, n'a pas une flèche avec prendre soin, même si c'est en fait quelque chose qui a un impact sur le stress. C'est comme ça que je l'avais pensé. Mais surtout, ça me permet de préciser la chose suivante, c'est que cette cartographie, c'est une cartographie que j'ai fait évoluer beaucoup au fil du temps. J'ai vraiment des versions antérieures qui sont organisées un peu différemment, qui ne prennent pas forcément en compte les mêmes choses. Je l'ai complétée, je l'ai précisée, mais c'est une proposition. Pourquoi je l'ai construite ? Parce que c'est maintenant une cartographie qui me sert de guide à chaque fois que j'ai un dispositif d'apprentissage à mettre en place. C'est une manière pour moi d'analyser ce qui stimule l'engagement ou ce qui induit du désengagement parmi les apprenants que j'ai en face de moi. Et ça, c'est une grille d'analyse théorique, en fait, qui me permet d'améliorer la qualité de mes dispositifs d'apprentissage et de former les enseignants pour avoir une grille de lecture à laquelle on peut tous se référer pour analyser les dispositifs d'apprentissage qu'eux mettent en place. Maintenant, ça n'est qu'une proposition. Et il ne s'agit pas de la prendre pour argent comptant. Et si toi, Michel, tu as envie de la modifier, de t'inspirer d'une partie pour faire une grille, pour travailler une nouvelle grille qui serait celle qui te semble la plus pertinente et qui aurait plus de sens pour toi, je t'invite vraiment à le faire. Si toi, tu penses que la flèche directement reliée à prendre soin, elle est plus intelligible et du coup plus maniable, je t'invite à le faire. Je crois que c'est ça aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette articulation entre la conceptualisation théorique et l'impact que ça peut avoir dans la pratique. Si une autre manière de se représenter les choses est préférable pour avoir une pratique d'enseignement et notamment de développer cette capacité de conception d'un dispositif d'apprentissage pertinent, n'hésitez pas, il faut. Moi, j'en ai trouvé d'autres. J'ai construit progressivement au fil de mes expériences et de mes lectures celles qui me semblaient avoir le plus de sens pour moi. Voilà. Nous avons une autre question. Alors j'avoue que j'invite la personne qui vient de poser sa question à simplement allumer. Voilà, à allumer tout bonnement soit votre micro et votre caméra ou juste votre micro pour la poser directement à Hélène. Ce sera plus simple. Merci. Bonjour à tous. Donc, Noémie Desrec, merci pour cette présentation. Alors, moi, j'avais une question en ce qui concerne
comment donner en fait comment leur construire leur propre opinion et aussi les choix et décisions quand on a un programme en fait bien défini où ils doivent acquérir un nombre de connaissances et du coup comment leur donner justement cette opportunité là. J'ai pas entendu le tout début. Donc vous avez un programme, il faut c'est vraiment de l'acquisition de connaissances, mais en fait c'est là que c'est difficile des fois de trouver un intérêt pour nos étudiants. Et en fait moi j'ai du mal à avoir une méthode pour qu'ils puissent construire autour de ça leur propre opinion et faire leur propre choix. Du coup j'aurais aimé savoir si vous aviez des outils associés à ces deux parties là. En fait, j'ai des outils pour tous les leviers. Donc, ce que je ferai, c'est que je transmettrai à Nathalie un lien vers une page sur laquelle j'ai synthétisé toutes les techniques ou stratégies pédagogiques, les activités concrètes qui peuvent être mises en place pour stimuler et prendre en compte ces différents leviers. Tu poses la question du levier responsabilisé. Dans un contexte où il s'agit surtout de transmettre des savoirs, des connaissances, d'amener les étudiants à connaître et comprendre, en fait. Comment on fait pour prendre en compte, enfin, comment on pourrait faire pour activer le levier choix et décision. Alors, j'ai envie de partager deux choses par rapport à ça. La première, c'est que il n'est pas toujours possible d'activer tous les leviers. Déjà, par exemple, sur le levier valorisé, c'est celui qui est le plus parlant, le levier valorisé. Après, je vais revenir à celui choix et décision. Vous pouvez dire, il y a des étudiants, on sait que ce qu'on leur transmet, ça va leur être utile, mais concrètement, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas d'intérêt à ce qu'on fait et on ne sait pas comment se débrouiller par rapport à ça. Ben oui, il y a des fois, on transmet un contenu qui suscite que peu d'intérêt. C'est pas pour autant que les étudiants ne peuvent pas valoriser le contenu. Ce sera pas du fait de l'intérêt, ce sera peut-être du fait de l'utilité ou de la source d'épanouissement que vous allez pouvoir leur proposer à travers les activités que vous allez mettre en place. Il s'agit d'avoir des idées pour se dire quels sont les leviers que je mobilise déjà, parce que je pense que vous en mobilisez déjà des leviers, et quels sont ceux que je pourrais davantage prendre en compte. Alors, par rapport au levier choix et décision, je voudrais vous donner un exemple. J'accompagne une enseignante qui travaille en Turquie, qui est française et qui travaille en Turquie donc au niveau universitaire, avec des étudiants qui sont dans un cursus de traduction. Et donc, elle enseigne le français langue étrangère à ses étudiants et elle dit « c'est très compliqué, j'ai un contexte où j'ai… Alors, je ne sais pas si tout le monde a perdu Hélène comme moi. Suis-je la seule à avoir perdu Hélène ? Non. Et du coup, quand ils viennent en cours de français, elle dit « j'ai beau mettre en place des techniques de pédagogie active que j'ai apprises ». C'est hyper compliqué pour moi de les mobiliser. Je les fais travailler en groupe et pourtant, voilà. Parce qu'elle, c'est apprendre les règles d'un texte rhétorique et ensuite être capable d'utiliser ces règles, de les appliquer dans le cadre de la production d'un texte d'invention. C'est le choix qu'elle a fait. Et elle me dit, j'ai vraiment du mal à les impliquer. Et je lui dis, je partage avec elle une... Vous allez voir, il y a un lien avec la question du choix et de la décision. Je lui dis... J'ai assisté à un colloque où il y avait un prof de philosophie à l'université qui avait partagé une expérience qu'il avait mise en place avec ses étudiants. Alors là, pour le coup, pour trouver un cours basé vraiment sur la transmission de connaissances, on ne peut pas faire mieux que la philo. Hein. Connaissance et connaître et comprendre, c'est le principe de son enseignement. Sauf que lui, ce qu'il avait introduit dans son dispositif, c'est qu'il avait choisi de donner la possibilité aux étudiants de choisir le média à partir duquel ils seraient évalués.
C'est-à-dire, il dit, moi, ce que je souhaite, c'est vérifier que vous avez compris et intégré les notions et contacts qu'on a vus au cours du semestre. Par contre, je vous donne le choix du média à partir duquel vous allez me faire la démonstration de ce que vous avez compris et appris au cours du semestre. Et il a obtenu des travaux extrêmement variés. Il a obtenu des dissertations, il a obtenu des bandes dessinées, il a obtenu une chanson, il a obtenu des tableaux. Les étudiants se sont révélés extrêmement créatifs. Et avec, il nous a donné des exemples, des productions extrêmement pertinentes pour mettre en valeur ce qui avait été transmis et acquis au cours du semestre. Alors, je sais bien que vous êtes en école d'ingénieur et que peut-être que c'est compliqué d'envisager une transposition. Mais parfois, il s'agit de... Alors, j'ai parlé de cette expérience à l'enseignante et elle a tenté l'expérience. Elle a dit à ses étudiants, écoutez, je vous laisse le choix du média. Et elle m'a dit que ça avait eu un impact incroyable. Et elle m'a dit, notamment les étudiants qui jusque-là avaient été les moins motivés, les moins impliqués, se trouvaient, ça avait produit comme une espèce d'explosion d'engagement et de motivation. Et tout le monde s'était lancé dans des projets. Alors certains, elle avait dû les aider un petit peu pour trouver quelque chose de pertinent. Mais enfin, transposé dans le cadre ingénieur, j'ai un autre exemple d'un enseignant qui avait... alors lui, c'était sur... alors en école d'ingénieur, c'était comprendre les objets du quotidien. Et notamment, il y avait des contenus théoriques sur... il y avait tout un contenu théorique sur la troisième révolution industrielle. Les trois révolutions industrielles. Donc, il avait transmis... Il y avait une conférence sur le sujet. Et ensuite, il avait demandé à ses étudiants de construire des jeux de société pour être en mesure d'acquérir les connaissances. Voilà. Et il avait eu des étudiants qui avaient fait des monopolies, des étudiants qui avaient transformé le jeu de la bonne paye avec toutes les connaissances, mais adaptées avec toutes les connaissances sur le thème des révolutions industrielles. Il y avait des étudiants qui avaient fait un trivial poursuite avec simplement des jeux de questions-réponses. Et ensuite, les étudiants avaient présenté, et ça avait suscité énormément d'implication et de motivation, et ça avait eu un impact vraiment très intéressant sur tout ce qui avait été acquis en profondeur, en termes de connaissances. Donc, je regarde l'heure encore. Donc, voilà, il y a plein de... Je vais te couper parce qu'en fait, on a cinq questions. D'accord. Ouais, j'ai été déconnectée, donc j'ai pu prendre les tours de parole, mais par contre j'ai perdu les questions. Donc j'avais d'abord Michel, ensuite une question de Jean-Loup, une question de John, une question. Peut-être, tu sais ce que tu fais, pose-les toutes et comme ça je vais y répondre en groupe. Oui, je pense qu'il va falloir que les gens les posent parce que comme j'ai expliqué, j'ai été déconnectée. Alors d'accord. Zoom, je me suis reconnectée. Donne la parole au premier. Donc, il y a la première question, c'est Michel. Ensuite de ça, ce sera Jean-Loup. Ensuite de ça, ce sera John. Ensuite de ça, c'est la charmante dame qui a parlé de la cartographie, mais je n'ai pas eu le temps de noter ni son nom ni sa question. Et ensuite de ça, il y a Christina. Donc, voilà. Donc, Michel. Ok, alors, bonjour à tous. Moi, ma question, c'était, j'ai l'impression qu'il manque le mot respect, en fait, dans ce tableau. Ok. Enfin, moi, je le mettrais, j'ai l'impression, au niveau de la valorisation, par exemple, ou de la responsabilisation. C'est-à-dire de considérer l'étudiant, en fait, comme un étudiant, pas une relation prof-élève, mais enseignant-étudiant. Okay. Voilà, c'est l'opinion. Merci. Au suivant. Nathalie, il faut que tu allumes ton micro, sinon on ne t'entend pas. C'est ah qui, oui, pardon. Ensuite... Oui, Jean-Loup, pardon. Bon, on passe au suivant, John. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc moi j'avais une question par rapport. Je compare un petit peu avec les élèves anglo-saxons, parce que j'ai l'expérience des deux. Et parfois, moi j'ai des élèves ici qui sont très très passifs. Et ils ont du mal apparemment à poser des questions. Je ne sais pas si c'est une question culturelle ou quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait d'après vous quand en face on a des élèves très passifs qui ne posent aucune question? Ok.
Ensuite, c'est qui? Jean-Loup, peut-être? Je pense que Jean-Loup a passé son tour. Ensuite de ça, il y avait la dame qui parlait de la cartographie. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de prendre votre nom si vous souhaitez intervenir. Sinon, je passerai la parole à Christina qui parlait de team building. Non. Personne ne... Bah, je t'invite à répondre à la question de John. Je vais faire les deux. Alors, l'intervention d'abord de Michel, la question du respect de l'étudiant, c'est-à-dire le considérer... Ah, Christina, allez-y. On vous écoute, Christina. On vous écoute, en fait, mais on ne vous entend pas. Alors, je peux peut-être parler au nom de Christina. Donc, elle mettait team building, travailler en équipe. Je vais en fait sur le micro. Oui. Mais en gros, ma question, c'était le team building, le travail en équipe. Oui. Je vais poser, je pense, la question au nom de Christina. Elle parlait de team building, de travail en équipe. Dans quelle catégorie tu places cela, en fait? OK. Alors, la question, d'abord, la réaction de Michel, le partage de Michel sur le respect de l'étudiant. Je vous invite juste à prendre en compte que valoriser, le levier de valoriser, on ne parle pas de valoriser l'étudiant. Valoriser l'étudiant, le respecter, le prendre en compte dans la relation, ça fait partie du levier, pour moi en tout cas, prendre soin. C'est-à-dire prendre en compte ses besoins, mais aussi ses besoins relatifs. Dans la partie apaisement, limiter les sources de stress, il y a relation satisfaisante avec l'entourage, donc relation satisfaisante avec l'enseignant qui va être respectueux, attentif, et il y a relation satisfaisante entre pairs, entre les membres du groupe. C'est là, moi, que je l'avais mis. Valoriser, c'est vraiment permettre à l'apprenant de valoriser le contenu de ce qu'on lui propose, les activités et les savoirs qui vont lui être transmis. Concernant l'intervention de John, alors, il faut vraiment avoir en tête que dans le système scolaire classique, on a quand même une tradition assez magistrale et descendante dans la façon d'enseigner. Et que les étudiants ont l'habitude d'être... c'est horrible de dire ça, mais je pense que, c'est important à avoir en tête, notamment quand on accueille des étudiants après 2 ans de classe préparatoire, où ils ont été essentiellement en posture de récipients. Ils ont réceptionné du savoir. Ils écoutent, ils intègrent et ils restituent. Et que quand ils arrivent en première année, en troisième année pour eux, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que tout d'un coup, on leur demande de travailler en groupe alors qu'ils étaient dans une logique extrêmement individuelle, puisque logique concours, et on leur demande de s'impliquer et de participer et de se questionner alors qu'ils étaient dans une logique d'intégration et de restitution. Et que ça, c'est un apprentissage, en fait. Et que je pense qu'il ne faut surtout pas abandonner cette idée de construire l'esprit critique et d'interagir avec l'enseignant, mais d'interagir entre eux aussi. Mais au contraire, il faut avoir en tête qu'il s'agit d'un apprentissage qui va prendre du temps, alors vous dites que faire ? Il faut le faire, il faut simplement donner la parole, laisser du temps et attendre. Je me souviens de Marcel Lebrun dans une enseignant-chercheur en sciences de l'éducation qui expliquait qu'il avait mis en place un système de classe inversée dans un de ses enseignements et que lors d'un premier amphi, donc il avait donné des vidéos, des ressources en amont, il avait demandé aux étudiants de se l'approprier et ensuite de venir en cours magistral pour poser des questions. Il arrive le premier jour, il dit « Quelles sont vos questions ?» Aucune question. Il attend un peu, 5-10 minutes, aucune question. Et ben, il a rangé ses affaires et il a dit bah, « Très bien, si vous n'avez aucune question, c'est que tout est compris et intégré dans ce que je vous ai transmis. Donc, à la semaine prochaine. » Et ben, la semaine d'après, il avait des questions. C'est-à-dire que ça demande
un ajustement. Et quand vous parlez de culture, il y a la culture française, peut-être la culture anglo-saxonne. Je ne connais pas les différences en termes de modalités de transmission, mais en tout cas en France, je sais que les étudiants, notamment ceux qui viennent de classes préparatoires, sont habitués à non pas être passifs dans l'apprentissage, parce qu'apprendre par soi-même, et ça demande beaucoup de ressources, mais en tout cas dans la relation d'enseignement, quand il y a un enseignant et avec les pairs, il y a une éducation et une appropriation du processus qui est à opérer et qui va demander un peu de temps. Voilà. Ensuite, Christina demandait où on place la question du travail en équipe. C'est le levier responsabilisé. Donc, j'ai parlé de, si vous voyez sur le schéma qui est encore à l'écran, j'ai décliné. Je me permets de te couper, je suis désolée. Normalement, il nous reste 4 minutes. Alors, je dis juste une phrase pour Christina. Vous avez initiative, opinion, choix et décision. Et juste en dessous, vous avez intelligence collective, permettre aux apprenants de trouver leur place, de conflictualiser leurs désaccords, d'exploiter le potentiel de l'intelligence collective. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est là que je mets le travail en équipe. Voilà. Ok, super. Bah écoute, tu as été hyper bref, donc c'est parfait. Je ne m'attendais pas, je voulais juste te signaler, parce que en tant que maître du temps, voilà, qu'il nous restait 4 minutes. On a peut-être on a peut-être le temps pour une dernière question, si quelqu'un a une question à poser. Donc voilà. En tout cas, merci Hélène pour ton intervention. C'était super pour cette présentation. Merci d'avoir joué le rôle de cobaye, hein, parce que je le rappelle, c'était une expérimentation. Donc voilà, merci à vous d'être aussi nombreux, parce que je suis contente que vous êtes 21. Donc voilà, c'est un franc succès. Je ne sais pas si on va pouvoir vous partager l'enregistrement, parce que en fait, il s'est passé plein de choses à mon écran involontaire, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà. J'ai fait apparaître à l'écran 3 références théoriques que je trouve vraiment pertinentes sur le sujet. J'ai mis la mienne, hein, mais bon, les deux autres sont vraiment intéressantes. J'en dis juste un mot. Une des premières références qui a influencé énormément ma vision sur le sujet. On ne voit pas cette slide là. Ah bon? Désolée. Oui. Là, ça paraît pas ? Super. Ok. Celle du milieu, la motivation en contexte scolaire de Roland Viau, c'est vraiment l'une de mes références principales. C'est un auteur québécois qui a fait un gros travail de synthèse de la littérature sur le sujet. C'est très pratico-pratique parce qu'il donne plein d'exemples et d'illustrations issues du terrain. C'est-à-dire que c'est des recherches appliquées avec des élèves et des enseignants, donc c'est vraiment pertinent. Ces enfants empêchés de penser, je trouve que Serge Boismard, il prend en compte. Alors, c'est pas des jeunes au niveau universitaire, mais moi, c'est une référence importante pour moi parce qu'il prend vraiment en compte les freins psychologiques à l'engagement. Et ensuite, si vous avez envie de lire de manière plus approfondie tout ce que j'ai pu rassembler sur le sujet, j'ai écrit un ouvrage qui est pour le moment auto-publié, donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller creuser ça. Vous le trouverez sur mon site internet, et je l'ai appelé « Le goût de la transmission, déployer sa créativité pédagogique pour stimuler l'envie d'apprendre et le plaisir de transmettre ». Ok, super. Je vois que tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de personnes nous remercient et sont ravies. Donc voilà, je dirais que c'est réussi. En tout cas, je l'espère. Je vais quand même vous envoyer un petit questionnaire pour savoir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Je m'excuse d'avance pour ceux qui ont des problèmes de son. Je pense à Marion notamment, qui malheureusement, j'espère que Marion a pu entendre, parce que j'étais un peu embêtée. Je ne savais pas comment l'aider tout en assurant mon rôle de gestionnaire du webinaire. Donc voilà, c'était pas évident. Il y a encore beaucoup de questions qui pourraient être posées. Donc voilà, c'est ce qu'une participante me dit. Et puis j'espère que je pourrai organiser très vite d'autres webinaires de ce type-là. Donc voilà, j'essaierai de trouver d'autres intervenants, ou peut-être avec Hélène, on pourrait imaginer peut-être une suite à ce webinaire. Donc voilà.
Merci à tous. Et puis, voilà, je vois que des remerciements, mais on a encore un peu de temps, visiblement. Zoom nous offre encore un petit peu de temps. Donc, s'il y a une dernière question, on prend. Bon. Bah Hélène, peut-être est-ce que je te laisse un mot de la fin parce que j'ai parlé que moi. je voudrais préciser que donc on enverra les liens vers les ressources dont je vous parlais tout à l'heure, notamment la liste des stratégies pédagogiques, des techniques qui peuvent être utilisées. Nathalie vous enverra ça dans la foulée. On a une dernière question. Si je la comprends bien, c'est qu'en gros, on fait appel à la réflexion des étudiants dans ce cadre-là. Et comment la susciter, cette réflexion-là? Comment susciter la réflexion des étudiants et donc comment faire en sorte qu'ils adoptent une posture réflexive par rapport à ce qu'ils apprennent et par rapport à ce qu'ils font? Déjà, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous y consacrez du temps? Est-ce que vous leur laissez le temps d'y réfléchir? Est-ce que vous délimitez des espaces, ne serait-ce que pour parfois. Il y a évidemment beaucoup de stratégies qui existent, plus ou moins élaborées en termes de temps de partage, de restitution, etc. Quand vous faites une séance de travaux dirigés et que vous donnez aux étudiants un exercice, déjà si vous leur donnez l'exercice au moment de la séance et pas en amont, et que vous leur dites maintenant cherchez seul, cherchez à deux, cherchez en groupe, c'est susciter la réflexion et la réflexion collective, rien que ça. Mais ça peut être simplement dans le cadre d'un cours en amphi, par exemple. Vous faites 10 minutes, un quart d'heure de transmission, et puis vous faites une pause et vous dites maintenant, vous formez des groupes de 2-3 avec les gens qui sont assis à côté de vous. Et je vous demande de formuler une question à laquelle ou trois questions à laquelle la réponse a été donnée dans les 15 minutes qui précèdent. Puis, donc là, vous laissez le temps aux étudiants de revenir sur leurs notes, de discuter entre eux et de formuler des questions à l'écrit. Ça, de réfléchir, ça permet d'identifier les informations clés, ça permet de repérer ce qu'on a compris et pas compris. Et ensuite, vous pouvez demander au groupe qui le souhaite de formuler une question à l'oral et à ceux qui le souhaitent d'y répondre. Et après, il y a des outils numériques qui existent comme WooClap, comme Quizlet, qui permettent de faire ça en version. Ça marche très bien sans outils numériques, mais avec des outils numériques en plus, vous allez pouvoir poser des questions et demander aux étudiants de répondre à ces questions. Faire une espèce d'évaluation formative, c'est-à-dire 15 minutes de transmission, 5 minutes de questions, où vous apercevez tout de suite, en fonction des réponses qui sont données par les étudiants, si ce que vous avez transmis a été compris ou pas, et vous pouvez préciser, et ça crée de l'interaction, et ça peut être fait dans un amphi avec 300 personnes sans aucun problème. Et ça permet de susciter un questionnement réflexif, aussi bien dans un amphi que dans un cours avec moins d'étudiants. C'est un exemple parmi d'autres. Ok, bah super. Merci Hélène. On avait dédié 45 minutes à ce webinaire. Il est presque 13h45. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter sur ce dernier exemple et ce dernier petit truc que tu viens de nous donner. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, à très vite. Au revoir. Au revoir, à bientôt tout le monde.